Bonjour à toutes et à tous, c'est VXAKID, on se retrouve aujourd'hui pour mon épisode 16 de VXAKID, le mage électricien, mon aventure sur les modes magiques et industriels de Feed the Beast. Je me suis rendu compte qu'à l'épisode dernier j'ai dit industriel et magique, ça va pas du tout ça, je rappelle que je suis avant tout un mage. Enfin bon, dernier épisode nous avions un petit peu avancé sur les recherches, aujourd'hui on va faire ça en speed un petit peu. Donc hors caméra, j'ai farmé ces bestioles, ça j'ai déjà. Il va me falloir des bouquins. Puisque là ça ne rigole plus, on va speeder tout ça. Donc ça, ça et ça, si tout fonctionne bien. Alors ça et ça, je retire, je vais pas gâcher. Qu'est-ce que ça m'a mis au monomètre, donc ça c'est bon. Redstone, il me faut ça, voilà. Et ça, l'aspect Pretensio. À la tomateur. Donc le tomometer qui est une partie primordiale de ces recherches puisqu'elles vont tout simplement nous permettre de réaliser tout simplement les lunettes, les très importantes lunettes. Qu'est-ce qui me manque pour faire ça? Non mais sérieux, il me manque encore quelque chose pour aller jusqu'à la recherche de base là. Ah, très intéressant puisque je vais en avoir besoin. Il me manque donc une recherche. Laquelle est donc cela? Est-ce sûrement celle des bises? Donc déjà tout ce que j'ai là on va le ranger. Donc il va me falloir pour réaliser cette recherche il va me falloir des torches. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais c'est... Enfin, à l'origine, il faut pas des torches en elles-mêmes. Mais les torches ont un aspect sympatoche. Sympatorche. Ah merde, non. Bah, il me semblait qu'elle l'avait. Bien, non. Alors ça, c'est relativement fâcheux. Excusez-moi, je fais une petite recherche parce que il y a un aspect qui n'est pas ce que je pensais. Ah ouais. Oh c'est marrant. Il me semblait. Donc cactus. Ouais. Et bah il va me falloir des seeds. J'en ai un petit peu là, c'est parfait. Donc des seeds. Du bois. Donc on va prendre les demi-dalles, les échelles. Et il va aussi me falloir un aspect relativement chiant que j'ai absolument pas sous la main, qui est Bestiola. Forcément. Alors ça, on épuise les échelles, on épuise les demi-dalles, voilà. Ensuite les seeds, j'espère en avoir assez, ça commence. Ah, bah c'est pas ce que je voulais, c'est pas la recherche que je voulais, forcément. Donc le tomiumscope, le tomiumscope, si je me souviens bien... Tomiumscope, il va me falloir magie, instrumentum. Oh là là, cette mémoire, les amis. Non, en fait, je suis sûr qu'il y a tomium. Enfin, tomium. Vu que c'est du tomium, il y a magie et instrument parce que c'est un outil. Ça, c'est de la pure logique. Mais alors, le dernier, j'en ai aucune idée. Bon, on va taper la recherche. Hein. Donc, ça et ça. Allez, dis-moi que j'en ai assez, j'ai pas envie d'aller farmer dans le nether, merci. Et il faut... Ah bah c'est des billes, non. Le scrop, c'est pourquoi? Scoop. Ah oh, je sais plus. Attendez, ça ressemble à quoi déjà? Je crois que c'est celui-là, le scoop. Celui que je suis en train de faire. Donc si c'est ça, c'est... Bah c'est des billes, donc Bestiola. Il va me falloir de l'aspect Bestiola, donc sur ce je fais une petite coupure le temps d'aller
tuer des araignées et récupérer des IE. Ah non. Oh. Attendez les copains. On va peut-être pouvoir faire un truc. Alors, attendez. On va peut-être pouvoir faire un truc. Il me faut une épée sourde. Et on va aller rigoler 5 minutes. Alors, dès que j'approche de ma maison, ici, ça rame. Doit y avoir un feu ou un truc isolé, je sais pas, mais ça rame. Où est-ce qu'il était cet arbre avec les toiles d'araignée? Ah bah, Last Dead, il doit être là-bas. Bon, je fais une petite coupure à tout de suite. Yaha, me revoilà au pied de l'arbre mâchante. Nous allons donc regarder sous cet arbre où on m'a dit qu'il y avait des choses intéressantes. Alors, on m'a dit sous l'arbre. Ah oui, sous l'arbre. Mais j'ai pas envie de casser le spawner. Je peux pas l'ouvrir. Ah, je veux pas casser le spawner. Ça fait spawn des petites araignées et les araignées, je pourrais les exploiter. Je sais pas. Ah bah, là, tiens, quand on parle du loup. Petite enflure. Voilà, parce que regardez. Rien qu'une petite araignée, ça m'a donné deux de bestioles, quoi. De quoi faire ma recherche. Ce qui est amazing. Donc, bah, vous savez quoi, votre coffre? Bah, je suis con, si je veux le coffre. Hop là, voilà, c'est fait. N'importe quoi, ce big. Si t'es en mode. Ah, mais je fais quoi? Ouais, tu pètes le coffre, hein, ça va plus vite. Tu ne mourras peut-être si t'es sage. Tiens, mais meurs, voilà, je t'ai décapitationné. Tu dirais bonjour à tes cousines. En enfer. Donc, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pas eu de tomium. Ah, j'ai eu un disque. Il va me falloir un truc pour lire les disques. Donc, on va faire un petit TP, maison, téléporte. Voilà, on perd pas de temps, zoop. J'espère que j'ai assez de ficelles, autrement bah, je me débrouillerai pour en retrouver hors caméra toujours. On va d'abord mettre l'œil parce que l'œil c'est la classe. Voilà, et je, forcément j'en ai pas eu assez. Allez, monte, 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 copain, monte. Ouais, t'as tes pickness. Bref, Tomium Scope. Tadam! Et donc voilà, maintenant, si... Alors attendez, je voulais faire quelle recherche moi à l'origine. Peut-être recherche bison magique, je voulais faire moi. Donc il me refaut les graines. Oh, cette consommation. Donc non. On va... C'est quelle espèce ça? Oui, non, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que je voulais là? Les œufs. Voilà, des œufs. Là, ça va être une permutation. I think that will permutation. Oui. Et forcément, c'est la silver transmutation. Donc, si je me souviens bien, c'est celle qui est chiante. Oui, parce que vu que je fais des. Vu que je joue sur le serveur d'un ami en ce moment, avec Garnick et puis d'autres, forcément, les recherches, j'ai tendance à les refaire sur le serveur aussi. Et du coup, je les connais un petit peu par cœur. Donc, du cristal et des lingots. Voilà. Donc, si je me trompe pas, c'est celle-là qui demande de l'aspect cristal. Eh ben, je me suis trompé. C'est complètement épique. Ah, il y en a une qui demande du cristal, j'en suis sûr, mais c'est pas le silver. Yeah. Donc, mon arbre de transmutation commence à prendre un petit bout de place. Il prendra 6 places au total. Donc, bon. Donc, je remets ça. Avec la chance que j'ai, c'est encore l'œuf. Allez, œuf. Voilà, c'est la transmutation de quoi ça?
Ah, il le dispo. On va mettre du. Voir s'il y a du cristal dans celui-là. Non, donc il y a du lingot, forcément. Ah, lead transmutation, lui, ça demande des coffres. Des coffres ou des barrels, ou enfin, ce qu'il y a de dispo. Sauf que moi, j'ai strictement rien de dispo. J'ai. Non, justement. Le rubber a des sacrés aspects, en fait. J'avais pas vu, mais il a des aspects vachement sympatoches. Hop, allez, hop, on fait péter le bucket. On s'en fiche. Zoup. Mais je reviens quand je l'ai fini. À tout de suite. Hey les copains, vous voulez qu'on essaye quelque chose? On va aller voir qu'est-ce que donne cette node. La taille qu'elle fait. Mais je peux pas la voir! Mais qu'est-ce que je suis? Bête! Le gars, il essaye de voir des notes sans lunettes, quoi. T'as raison, BX. T'as raison que t'as une bonne vue, mais tu peux pas encore détecter les sources magiques avec tes yeux, hein. Pas encore, pas encore. Va encore falloir t'entraîner quelques dizaines de milliers d'années. Sur ce, je reviens. Et pour ceux qui se demandent ce que je fais, je suis tout simplement en train de couper du bois pour faire des coffres. Je confirme, on peut pas faire un torse en bois. J'ai essayé, ça marche pas. Bien, alors maintenant que j'ai des keufres, il va falloir que je me fasse à manger aussi parce que je vais mourir. Des keufres. Keufres. Oui, un seul. Il a rien sacrifié au final. Lead transmutation, pardon. Donc toutes ces transmutations. Toutes ces transmutations. Le mec qui parle limite anglais, ouais. Pico, ça fait classe. Vont nous permettre tout simplement. Au fil du temps, de transformer des ressources dont on n'a plus besoin en ressources dont on a besoin. Et ça, c'est cool. Bon, j'ai essayé toutes mes graines alors que c'était. À chaque fois, je devrais mettre l'œuf en premier, en fait. Hunk, no théorie. Alors maintenant, on met les lingots. Voilà, et celle-là, c'est cristal, je suis sûr. À peu près. Non plus. Ah non, c'est pomme. Non, c'est pas pomme, c'est la vie. C'est l'aspect vitrieux, il me semble. Ouais, non, Victus. Autant pour moi. Autant pour moi. Bien, hop. Copper transmutation. Bien, ensuite on met ça. Maintenant il va y avoir le cristal quand même. Mais si je commence par le cristal, si c'est normal. Il est en train de bouffer mon stock pour rien là. Entre nous. Hop, on va mettre du fer. Oui, il va bouffer mon stock aussi pour rien lui. J'aime pas quand ça déclare pas de recharge. Oh bah. Bon, bah voilà. Attendez, est-ce que j'ai du. Alors attendez. Non, oui, attendez. Non. Il y a du fer non plus. Tant pis, tout est passé. Bien, je vais faire une petite coupure le temps de finir quelques recherches, puisque là, j'en ai fait pas mal avec vous. Donc on se retrouve dès que j'ai fini ces recherches. À tout de suite. Bien, cette recherche était tout simplement celle de la transmutation de la cobble. Donc comme ceci. Allez cobble, vas-y, voilà. Et donc qui va nous permettre de transformer. Hop, alors attendez, je vais vous montrer tout de suite. De transformer des choses, enfin ces deux aspects, en gunpowder, ce qui n'a pour moi aucun intérêt. Enfin, je n'utilise absolument pas la gunpowder, donc c'est magnifique. Ah, j'avais pas tilté, mais non, c'est 5 seulement déjà. Et j'ai terminé l'arbre des transmutations. Bah, c'était lequel qui demandait du cristal alors? Non. Ah, c'était le tin et je l'avais déjà fait. Et c'est lui qui a l'aspect vitrieuse. Pas Victus. Bien, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Tout ça c'est fait, ça c'est fait. Bien. Bon, on va continuer tout simplement. Ah oui, mais je suis bête, pourquoi elle clignote? Il faut que je la fasse la recherche. Abruti, abruti, abruti. Bref, petite coupure, je reprépare ça. À tout de suite. Bon, c'est un peu la honte, mais je viens de tilter un truc. L'aspect
Protensius, enfin l'aspect magique, est disponible dans les dans le bois de cet arbre. Donc je vais farmer l'arbre. Bien, re tout le monde, et donc là techniquement on est parti sur une recherche épique pour finir cet épisode, puisque c'est tout simplement la recherche de fin de tiers, la fin du tiers 1. Donc ouais, c'est celle-là, si je me... Voilà, c'est ça. Si je ne me suis pas planté... Netherward, j'espère en avoir assez, parce que j'ai pas envie de retourner dans le Nether, là. Allez, descends, 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 descends. Ah, c'est bon, je l'ai. J'en ai utilisé en trop, mais c'est pas grave. J'ai l'aspect mutation à fond, c'est le principal. Aluminium pour cet aspect-là. Oui, parce que l'aluminium, à cet aspect-là, c'est complètement permachit. Récupérer l'aluminium, c'est bien. Voilà, parce qu'il a deux aspects assez sympatoches pour un minerai pourri qu'on trouve en masse. Donc, ouais, j'aime ça. Donc, voilà, c'est complete. Ensuite, il me faut donc la graisse. La graisse, ouais, je sais. Ça. Ensuite, il me faut ça et ça. Hop, 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 allez, hop là, c'est bon. Et Tumpus, les cloques, ça, c'était mon ventre, excusez-moi. Regardez ça, si elle a pas la classe cette recherche. Plus. Unificated Atomic Field Theory. Oh yeah. Nous avons donc terminé cette recherche. On va pouvoir se quitter sur cette recherche tout simplement. Aïe aïe aïe, j'ai failli m'étouffer. Nous avons donc débloqué le tiers 2 qui est ici. Tiers très important. Et ensuite, il y a le tiers 3, ici, ici et ici, qui est moins conséquent, mais vachement très beaucoup important. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve pour le prochain, et hope you like it!